Bonsoir les amis, Abenichou, Abeniyantma, j'espère que le son est bon. Ni son kany abafouyem. Amana directifitin doke, Conseil des ministres Kerabi. Conseil des ministres Kerabi, donc décision gelen de retard. Alors kamana émission doke rapidement en direct. Voilà, donc c'est très rapide, hein. La Conseil des ministres, comment rapidement, si le voulez, mais bon, bah, très rapidement, on va y aller. Hein. Voilà, je suis beau comme ça, hein. C'est bon, hein. Je suis très beau. Hein. Voilà. Macan, comment ça va? Ali Jean-Claude, ça va de go, comment vous allez? Ça va bien? Aubega La papaye dans la nuit, c'est très bon. Papaye, la nuit, c'est très bon. La papaye, je vous conseille ça, c'est très bon. Très, très bon. OK? D'accord. Ami du Tesugue, bonsoir. D'accord. Donc, très rapidement, Ambarbella Genefora, Ami Directe qui est spécialement, ce direct, Amka qui est spécialement pour que, Kafoué, Conseil des ministres, décision d'Otabi, décision Gélène d'Otarabi, il n'a faut désormais. Ah, il y a Jalal là, mon ami Jalal. Ah, comment ça va? Ah, vous m'excusez, hein, je suis en train de. J'ai un ami là, Jalal. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. Oh là là, Facebook, c'est fantastique, hein? Hein? Jalal, tu vas bien au Maroc? Ça se passe bien là-bas? Ah, c'est très bien. Ok, donc, Conseil des ministres, décision Tabi. Le Conseil des ministres a pris une décision. Désormais, les policiers sont des militaires. La police a été militarisée. Désormais, la protection civile, les pompiers sont militarisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, pour le soukara sera souillé. Désormais, les pompiers au Fanakara sera souillé. Voilà. On va juste lire la partie. Donc, on va juste lire la partie. République du Mali. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 5 octobre 2022. Donc, Conseil des ministres d'Edo. Donc, du BI, le 5 octobre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire. Conseil des ministres Farandouan réuni. Et au chapitre des mesures législatives et réglementaires, donc ni chapitre D, ni Yoromi, Yorom, la Conseil des ministres Bikma, ils disent que sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile, car il y a un rapport d'OK, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant sur la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Mais c'est raconté, je répète. Hein. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Donc, Conseil des ministres et décision, t'as désormais pour le sou au Kera sera souillé. Protection civile, oui, pompiers au Fanakara sera souillé désormais. Au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face, il a été souverainement recommandé lors des assises nationales de la ROC Fondation de militariser la police nationale. Donc, au Gelea Mimbanga Diamanakono, Lakanabalea Mimbanga Diamanakono, donc Lakanabalea Mbanga Diamana Konana, eh bien, qu'au Kama, Assise nationale Moro a décidé que police a militarisé, quoi, que la police n'a qu'à être militarisée. Alors, il y a Rougeau Bordeaux Adama qui dit que, bah, est-ce que les multiples syndicats qu'il y a dans la police, que syndicats menés police là, est-ce que vous n'avez Tikaboui? Bon, normalement, ni militarisé là, c'est fini. Si la police est militarisée, il n'y a plus de syndicats. À la police, il faut le dire, il y a 14 syndicats. Syndicat Tananébi, policier de la Mali Kona. Syndicat Ouattara. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Qu'on ait militarisation, ni le fait que pour le coup, qu'il y a un militaire, un pompier, quand on a qu'à eh bien que l'armée, on a qu'à armée, qu'à non, pour le souverain, c'est un blagatin, non. Voilà, comme la population sécurisée. Voilà. Et qu'ils vont couvrir l'arrière des forces engagées au combat en vue de préserver les acquis
et sécuriser l'administration et les populations. Que effectivement qu'on nous tarait non dans sa dernière armée quelle est qu'elle soit sous mana quelle est qu'elle aura mené donc pour le soubi déployé à aura pour le soubi blé non et puis pour le soubi sera sous demain donc on fera sera sous fin voilà. La militarisation de la police nationale et de la protection civile concourt à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. Et puis donc assis ou des couillards fort voilà donc voilà et en aucun ami au da au cloca. Et puis, le ministre aussi des trucs, ministre de fin, maintenant, il faut en avoir très rapidement. Il y a le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il faut féliciter le ministre des Mines, Lamine Seydou Traoré. Et tiens, Mamoudou Tera, un bobo là qui dit que Flakeni, il faut faire attention. Flakeni Tede, il faut faire attention. D'accord. Donc le ministre des Mines, il faut le saluer. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres des résultats de la mise en œuvre des dispositions prises contre l'exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol malien. Le ministre des Mines, la mine c'est le travail anaka moro ou tereda aka ou tereda moroka. La mission, d'abord on va y aller doucement. On dit que dans le cadre de la lutte contre l'exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol, une mission du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, avec l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère des Transports et des Infrastructures, a sillonné au cours du premier semestre 2022 certaines localités des cercles de Kangaba, Kenyeba, Kolondjeba et Yanfouila. Donc, au ministre des Sabah Farandronka, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ministère de la Sécurité, le ministère des Transports, au Farandronka, au Imoro Farandronka, au Tara, et Kangaba Marala, Kenyeba Marala, et Kolondjeba et Yanfouila, parce que comme on a dit, on a dit, on a fait un choix. Donc, une mission Tara. La mission a constaté une grande affluence d'exploitants illégaux issus de plusieurs nationalités. Qu'aux nationalités tchamanebe, moro tchamanebe, obitanga fonta, obitanga dougoujoura nafolota quoi. Ah, Mali, manovale. Ces exploitants illégaux, en plus de causer d'énormes dégâts environnementaux, spolient notre pays d'une quantité importante de devises. Donc, au moro mounoumara dougoujoura nafolo chouin, obitanga. Environnement est retient, mais obi, c'est un gars à voir tchama fanasoro, bah, anta ou warou fanasoro. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de manquements dans le travail de Lamine Seydou. Il n'y a pas de problème, hein. Personne n'est parfait. Mais n'aï, n'youman m'en gonne kéobi fort, quoi. N'aï, djouman m'en fana kéobi fort, mais ni n'youman n'est, conseil des ministres, il faut ambo kalan, c'est très, c'est ça. C'est ça dans la vie, il faut savoir reconnaître ce qui est bien aussi. Après ça, la mission a démantelé 29 sites d'exploitation frauduleuse. Donc, interpellé et mis à la disposition de la justice. 136 exploitants illégaux. Donc, voilà. Donc, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, l'émission qui est très rapidement, c'était juste pour vous dire que la police a été militarisée. Donc, désormais, pour le suivi militaire ou des. Hein, désormais, les sapeurs-pompiers au fond des militaires ou des. Mais au Corée de pour le suivi circulation, là, hein, on va aller en bout de circulation. Donc, statut de Benafalé. En bout de circulation, là. Dans la commissaire, là, pour le suivi, on a voilà. Mais c'est que, au statut qu'on a, là, au cas, c'est bon, on a ça. Sur le suivi, on a mis au fond des militaires. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, là, pour le sujet de circulation, là, et puis on va aller voir. Et il y aura toujours le GMS, nous, Beladénébé. Merci et bye bye. Ciao. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Aïe, au don, au coup d'état, la Burkina, aïe, Maya. Vous avez vu, non? Aïe, c'est ça, où il faut que. Il faut que. Tiens, maintenant, nous, Kouka Hermaronia Soro. Hermaronia est fin d'ordi. Tant que Armadé Ma Soro a tel la FIA. Solution T. Armadé naga hermagora tabulabi quel est le cas l'utile que fa kasoro. Donc c'est ça. Donc vous avez vu Tieni comment il s'appelle Damiba. Il était comme ça. Oya takaboy, oya blakrefe. C'est comme ça hein. Bebaga hermagora ngini et c'est comme ça. Voilà.
Donc, on souhaite que le jeune capitaine Nakasaka ait débrouillé. Kosanina, un avion de fond à Bina Gao. On a un Sukhoi qui était tombé à Gao, à Bina. Vraiment, nous nous fatura à la Kahino, à la Kouda Rosma. Et j'ai vu que Adjara Mordo Fanaï, Adjara Doye, il y en a qui sont très contents, qui ont jubilé, Doye Feti, parce que avion Bina. Mais c'est grave quand même. Ika Diamana, ton pays, ton pays. Il n'y a pas de monde qui est très 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 très. Et puis, parce que il y a des gens qui sont très 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 très. Et vite à fatiguer quoi, mais c'est quand même grave. Autant ça c'est grave, autant nous faisons qu'on est fatigué lorsque Ibekat les hélicoptères mis Bina et Katie, non, donc nous vous fatiguez, ça aussi, ça c'est pas bon quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Nyebi Doka Fena, allez, Coco, c'est quand m'a précisé que c'est pas confirmé. En tout cas, le projet de loi a été adopté. Hein. Le projet de loi a été Nyo Ole Kalan quoi. En gros, le projet de loi a été adopté. Na adopté là qu'avant, ça c'est comme une lettre à la poste. Hein. C'est en tout cas quand vous ça quand ça c'est pas un problème. Ça n'inco ni quoi. Alors merci beaucoup et bye bye. Au revoir.